Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Je pense que vous me donnez ça.
J'allais dire, mais merci, je vais pouvoir aller. Thank you.
Ah,
Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. C'est vrai que... Oui, c'est le temps, maman, c'est vrai, pas de problème. On va pas beaucoup parler. On va pas beaucoup parler. Bonsoir, bonsoir, derrière là-bas. Si vous pouvez me suivre un tout petit peu, on ne sera pas long. On ne sera pas long, on ne sera pas long, mes bien-aimés. Juste partager la parole de Dieu. Vous savez, ces moments-ci, tout le monde passera par là. Tu ne peux pas être orgueilleux devant la mort. Si nous sommes ici aujourd'hui parce que notre papa est parti, notre oncle est parti, notre papy est parti, et nous voulons l'honorer. Alléluia. Et c'est sûr et certain, c'est vrai que ça ne te surprend pas si je suis debout ici. Parce que ton jour viendra, mon jour viendra. Alléluia. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux nous suivre ici? Il n'y a pas de problème. Mais on va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ces moments favorables que tu nous accordes. C'est vrai que c'est difficile pour nous, pour surmonter cet événement. Mais nous voulons que toi, tu puisses encore nous aider. Prends contrôle de ces moments, papa. Et nous voulons, Seigneur, laisser ces moments en tes mains. Sois béni. Et règne encore comme un maître absolu. Et que la parole qui sera exhortée, Seigneur, que ça nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons un problème. Ce problème nous concerne tous. Vous savez, la mort, personne ne peut s'échapper. Quand ça frappe, personne ne peut dire non. Vous savez, nous préparons l'arrivée des enfants, nous préparons les mariages, nous préparons tout ce qu'on peut préparer. Mais pour la mort, personne n'est préparé. Tu peux tout faire ici, tout ça, ça va rester. Tu peux avoir des maisons, des parcelles, des voitures, ça va rester. Tu peux t'habiller comme tu veux, tout ça, ça va rester. Mais ce qui ne va pas rester, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que ce soir, Dieu veut te parler en quelques minutes. Alléluia. Amen. Juste quelques minutes, c'est pas beaucoup. Je ne vais pas prendre 30 minutes. Non, quelques minutes seulement, juste pour t'interpeller. Parce que celui qui est parti, on ne le verra plus. Mais toi et moi, nous sommes ici et nous devons faire attention. Parce que le jour, ça viendra. Vous savez, quand la mort frappe, tu ne peux pas fuir. Tu peux l'esquiver. Alléluia. Nous allons lire ce passage. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, verset 18, je lis au nom de Jésus. C'est Jérémie qui parle dans Matthieu, il dit, Jérémie le prophète a entendu des cris à Rama et des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée. Parce qu'il ne sent plus. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle d'une femme qu'on appelle Rachel. Elle a perdu ses enfants et elle était en train de pleurer. Et personne ne pouvait le consoler. Pourquoi?
parce qu'elle ne sentait plus rien du tout. Vous savez, souvent, c'est les femmes qui pleurent beaucoup. C'est les femmes qui sont vraiment touchées quand quelqu'un meurt. Et nous voyons ici, Rachel est en train de pleurer. Personne ne peut le consoler. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses enfants. Vous savez, chacun de nous, aujourd'hui, tu es ici. Peut-être que ça ne te concerne pas parce que c'est pas toi qui as perdu la personne. Mais ceux qui ont perdu la personne proprement, parfois, ils sont inconsolables. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train de rigoler, tu es assis, tu bois le petit jus, mais eux, ils sont en train de passer des moments difficiles. Pour les consoler, nous, on ne peut pas les consoler. Mais il y a un homme qui est capable, qu'on appelle Jésus, on l'appelle le consolateur. C'est lui qui console au moment où nous passons des moments difficiles. Mais tu peux faire semblant aujourd'hui, demain ça sera ton tour. Demain ça sera mon tour. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous rappelons que ça viendra un jour devant ta porte. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire comme si semblant. Tu dois être sensible à ces moments-ci. C'est pour toi. Toi et moi nous sommes encore en vie. C'est à nous de prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui on a perdu papa. Massaba, mais toi, on ne sait pas qu'est-ce que tu perdras demain. Regardez Rachel, comment elle est en train de pleurer. Pourquoi elle pleure? Parce qu'elle a perdu ses enfants. Bien-aimé, tu peux crier, tu peux être orgueilleux, tu peux faire ce que tu veux. Quand ça viendra? Bien-aimé, on ne sait pas toi comment ça va venir. Nous, on a perdu aujourd'hui papa. Mais toi, parfois, tu peux perdre deux, trois. Comment tu feras? Tu peux perdre ton mari. Vous savez, aujourd'hui, ici en France, on a ce qu'on appelle assurance vie, mais il n'y a pas assurance mort. Celui qui a assurance mort, c'est Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut te consoler au moment où l'homme est à la mort, ou maman, ou les enfants. Bien-aimé, si tu es passé par là où la famille Massama a dû le passer, tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. Peut-être que tu n'as pas encore perdu quelqu'un, tu vois que non, ça va passer seulement chez les autres. Mais un jour, ça viendra chez toi et moi. Prends conscience, ce jour-là, comment tu seras? Parce que personne ne peut te consoler. Les gens vont venir, « Oh, ça va passer, tu sais, ça va passer. » Mais quand tu resteras seul, c'est là où tu vas comprendre la douleur de perdre une personne. C'est pour cela, aujourd'hui, je t'interpelle. Nous nous interpellons. Il faut avoir Jésus pour que Jésus puisse te consoler, me consoler. C'est Dieu qui console mieux que les hommes. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est parce que c'est pas toi et moi. Ça te fait un peu mal, c'est vrai. Mais, si tu demandes aux enfants de papa Massamba, ils vont te dire, vous savez, nous, on avait un chien. Quand il est mort, on était en train de pleurer comme des enfants. Mais imagine un homme, un papa qui part. Et c'est parce que ça fait du bien. Ça ne fait pas du bien, mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Quand Dieu décide, tu ne peux rien faire. C'est pour cela ce soir, je viens nous interpeller pour que tu prennes conscience qu'un jour, tu peux conduire la voiture, tu peux payer des maisons ici, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le jour où ça viendra, bien-aimé, je ne sais pas comment tu seras. Mais si tu as Jésus-Christ, il est capable de te consoler. Si tu as Dieu, il est capable de te consoler. C'est pour cela, sache-le bien. Avec Jésus, le consolateur, il te fera du bien. Mais si tu n'as pas le consolateur, vous savez, il y a des ceux aujourd'hui, ils n'arrivent plus à surmonter parce que ils sont dans la détresse. Il y a une souffrance. Et aujourd'hui, il y a des gens, personne ne peut te consoler. Ça te laisse les cicatrices dans le cœur. Tu peux avoir maintenant des tensions. Tu peux vivre des choses qui sont bizarres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu supporter le départ de quelqu'un ou quelqu'un, un enfant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que Dieu nous dit ce soir. Ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant parce que ça va venir tôt ou tard. Ça viendra. C'est pour cela que tu dois prendre conscience aujourd'hui. Où est-ce que je suis? Est-ce que tu es avec Christ ou tu es avec toi-même? Ou tu comptes sur assurance vie? Si c'est assurance vie, mais assurance vie ne fera rien.
Parce que ceux qui restent vont passer des moments difficiles. Que tu veux ou pas, ça va venir. C'est pour cela que je t'interpelle aujourd'hui. Nous interpellons que nous devons marcher avec Dieu parce que Dieu peut nous consoler. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Bien aimé, c'est important que tu saches ça. Je vais m'arrêter par là ce soir. Nous voulons prier pour que ceux qui vont aller au pays, les enfants, que Dieu les console. Donc, si tu es ici, sache-le que tu dois faire un choix demain ou ce soir. Parce que, je rappelle encore, ça va arriver chez moi, ça va arriver aussi chez toi. Si tu n'as jamais perdu quelqu'un, dis-toi que ça arrivera un jour. Comment tu seras le jour-là? Aujourd'hui, on a une personne, mais toi, parfois, ça peut arriver deux, trois. Comment tu vas faire? Si tu n'as pas Jésus qui console, tu risques de faire des crises. Tu risques de passer des moments très difficiles. Les cicatrices peuvent rester pendant des années. Pendant beaucoup d'années, tu seras mal. Alléluia. Mais si tu es le consolateur, il te consolera pour que tu sois restauré. C'est pour cela ce soir. C'est un moment aussi pour toi. Nous sommes ici pour accompagner les bien-aimés, mais c'est important aussi de ce que tu as entendu pour que demain, que tu prennes conscience. Tu peux sauter aujourd'hui. Comme à Samba, il a dansé les mois passés. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. C'est Dieu qui décide. Il est incontournable. C'est lui qui a le secret de la mort et de la vie. C'est Jésus. Il est incontournable. Tu peux faire ce que tu veux ici-bas. Mais un jour, je répète encore, que ça va venir vers moi, ça va venir aussi chez toi. Tu ne peux pas esquiver ça. Tu ne pourras pas te cacher. Ça va venir. Quand ça frappe, ça ne t'annonce pas. C'est pour ça que nous voulons prier pour que les bien-aimés qui vont partir et toi aussi que tu prennes conscience que Seigneur, aide-moi pour que je sois debout et que je puisse marcher avec Christ. C'est important. Alléluia. Amen. Si tu peux inclure la tête, nous allons prier pour que Dieu nous fasse du bien. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as parlé personnellement. Personne ne peut s'échapper de cette situation. Nous passerons tous et nous irons tous, s'il faut, Seigneur, vers toi, de ceux qui ont accepté Jésus. C'est pour cela, ce soir, papa, qu'on sort la famille qui ont perdu papa. Et que tu fasses du bien, que quelqu'un qui a entendu la parole ce soir, en quelques minutes, que tu puisses, Seigneur, tout simplement, pour qu'il vienne, qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci encore pour ce soir. Que ton nom soit béni. Console la famille qui va repartir au pays. Garde-leur là-bas et tout se passe selon ta volonté de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Merci encore d'être présent et soyez bénis. Merci. Merci.
Oh, yeah.
Amen.
Yeah.
Thank you.
Aleluya, 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 ale
maître combineur à la défense. Esporongo no mako shemeri ya yi. Na vipo sile numero 12 na mungani. Wali wana kuta, wana kutu. Wana sawu, wana kutu. Ingenieur de son, mankun zete. 15,000 fois vonda. Beta sete na teta wa vonda. Yo.
Oh, Zana, 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 Z
Give it.
Puxa, 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 pu
Thank you.
photo. Thank you.
Okay.